Dans cette vidéo, nous allons voir un blocage fréquent que vous avez sous Illustrator. Vous voulez sélectionner un élément, ce qui n'est pas forcément évident quand il y en a beaucoup. En voulant sélectionner un élément, vous retrouvez à ne plus rien pouvoir sélectionner du tout. Je vous explique ce qui s'est passé. En voulant sélectionner un élément, en fait, au lieu de double-cliquer une fois, comme ça, pour avoir le fond par exemple, vous avez double-cliqué. Le fait de double-cliquer, on rentre dans le mode isolation. C'est-à-dire qu'on ne peut plus rien sélectionner d'autre que l'élément sur lequel on a double-cliqué. Donc l'intérêt, c'est qu'on peut justement travailler sur cette forme isolée de façon très pratique, sans être gêné par les formes qu'il y a autour. Tout ce qu'il faut savoir, c'est comment sortir de ce mode isolation. Là, on voit qu'on a groupe et calque, c'est-à-dire qu'à l'intérieur des calques, on est rentré dans le groupe qui est composé de cette forme blanche. Si je clique sur la forme à gauche, je reviens sur mon calque complet et je peux de nouveau tout sélectionner. Voilà pour le mode isolation.